Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche à l'aimant. Ça fait longtemps dans ce beau paysage. Regardez, c'est magnifique. Magnifique lac. C'est le lac du Bourget. C'est le plus grand lac naturel de France. Et c'est juste à 5 minutes de chez moi. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va voir si le lac est pollué. Bonne vidéo à tous. À tout de suite. Premier lancé, première trouvaille. Une capsule, les amis. Une capsule. Oui. Allez, c'est quoi comme capsule? C'est parti. Oh, baba, c'est trop usé. On sait pas. Capsule, un bout de fil de fer. Effectivement, les amis, c'est pollué. Allez, c'est parti. Deuxième lancé. Regardez, les amis. Il y a les jeunes en bateau, ils sont là. Regardez. Elles sont pas beaux, celles-là. Ah, ils sont pas bien, là, les amis, là. C'est juste magnifique. J'aimerais bien être à leur place là. Allez, on fait un petit coucou. Et voilà, il faut coucou. Eh ben deux capsules, les amis. Oh bah tiens, deux pour le prix d'une. Deux pour le prix d'une. Allez. 2014. Une croc. Ça, c'est croc. C'est croc, les amis. Et celle-là, bah celle-là, elle est foutue. On ne sait pas. On ne sait pas. Allez, les amis, maintenant, pub. Non, je plaisante. Je vous prends juste deux secondes. C'est parce que je viens d'avoir un message sur YouTube. Un commentaire. C'est Max Nettoyage. Max Nettoyage qui m'envoie « Bonjour, je t'ai rencontré aujourd'hui à la boîte à outils, mais je ne savais pas si c'était toi. » Alors effectivement, il y a une heure et demie de ça, j'étais à la boîte à outils. Je vais chercher deux, trois trucs. Donc, c'était bien moi, Max. Voilà, donc là, je vais te répondre dans deux minutes. Et voilà, bah, c'était bien moi. Donc, ben, tu aurais pu venir me dire bonjour, Max. Voilà, hein. Mais bon, en attendant, je te dédicace cette pêche à l'aimant. Allez, on continue, les amis, c'est parti. Oh, grosse trouvaille, mes amis. Grosse trouvaille. Le trésor, il est là. Le trésor. Regarde-moi ça. C'est dégueulasse. Désolé du terme, mais c'est juste dégueulasse. Voilà. Ce qu'on trouve dans nos lacs, nos rivières, les amis. Eh bah, dis donc. Eh bah, dis donc. Allez, dans le sac. Allez, c'est parti, on change un petit peu de coin, on va un petit peu plus loin, c'est parti. Allez, c'est parti, on a changé de coin. On n'est pas loin, hein. C'est juste bougé de 10 mètres, hein. C'est tout. Ah, m'a fait peur le train, non. Ça... Quoi? Trois trouvailles. Trois trouvailles, les amis. 4. Capsule, capsule, pof, on sait pas ce que c'est. Allez, celle-là, c'est quoi? Allez, Anken. Eh ben, on saura pas. Un clou et un fil de fer. Il y a un truc, les amis, il y a un truc. Voilà, on sait pas ce que c'est, mais une trouvaille. C'est parti, on va découvrir ensemble. On dirait une cuillère, on dirait je sais pas quoi. Eh bah dis donc. Ouais, ça doit être... Ah bah ça se déplie. Ouais, je sais pas, c'est une cuillère, non? Je sais pas. C'est pas les couteaux, là? Pardon. Ouais, c'est tombé. C'est tombé, les amis, c'est tombé. C'est pas les couverts, là, qu'ils font, là, comme les couteaux suisses. Là, on déplie, il y a la cuillère, la fourchette et je sais pas quoi, là. Ouais, bizarre. Voilà. Ouais, bah, je sais pas trop. Bah, alors, si vous savez, les amis, et en plus, ça se plie, ça se déplie.
Je pense que c'est ça, mais voilà. Si vous savez, mes amis, eh ben dites-moi en commentaire. Ça, c'est la trouvaille de la journée. Enfin, de la soirée. Le soleil va bientôt se coucher, regardez. Et je pense peut-être qu'on va tourner jusqu'au coucher du soleil, juste pour vous faire plaisir, parce que ça peut être magnifique. Il est là-bas, le soleil. Il est là. Il est bientôt. Il passe bientôt la montagne. Allez. On continue, les amis. C'est parti. Hey, vétéran de la fronde, c'est parti. C'est pas trop beau, celui-là. Big trouvaille encore. Oh, punaise. Un bon vieux clou, les amis. Un bon vieux clou. Hey, et ben là, faut pas dire qu'on dépollue pas, les amis. On fait ça gratuitement. Super. Allez, hop. À la poubelle, enfin, à la déchetterie. Allez, les amis, maintenant, ce que je vous propose, on va se faire un petit lancer à chasseur-trésor, c'est-à-dire, on va se lancer l'aimant dans les cailloux. On va voir ce qu'on ramasse. C'est parti. Allez, on va reculer un petit peu. Oui, 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 on est comme ça, on est des fous, on recule. Et c'est parti. Lancer, c'est maintenant. On le nettoie bien. Attention, 1, 2, 3, et c'est parti. Allez, on tire. Et on va voir si les gens sont des porcs ou non. C'est parti. Allez, je tire les mains. Allez, c'est parti. Et il y a déjà plein de merdouilles. Il y a, voilà les amis, je lance juste dans les cailloux, donc voilà. Imaginez que les gens là viennent pieds nus, voilà. Imagine, là. Imagine le pélo là, il vient tranquille boire son apéro, vient pieds nus. Voilà ce qui se prend dans les pieds. C'est super, voilà à quel point les gens sont dégueulasses, tout simplement. Voilà, des clous, des canettes, des... Allez, ce que je vous propose, des hameçons de pêche. Regarde, j'en ai chopé un nugget de canne à pêche, Les gens qui sont juste... Il y a même le fil de pêche, elle est dans le sac. Hop. Et juste pour s'amuser, on va s'en refaire un deuxième. Et je suis sûr qu'on ramène autant de merdouilles. Ouais, ouais, c'est du sport la pêche à l'aimant quand même. Mais ça fait du bien pour la planète. Je vais bientôt pouvoir vous filmer le coucher de soleil, les amis. Deuxième lancé. Et ben voilà, un peu moins de merdoute, mais j'ai lancé au même endroit. Voilà, encore des clous, des hameçons, des... C'est impressionnant. Parce que c'est parti, parce que regardez, là ça y est, le soleil se couche. C'est parti. Et voilà les amis, on met pas une heure de pêche à l'aimant, voilà tout ce que j'ai pu trouver. Quoi. Voilà, des canettes, des capsules bien évidemment, la cuillère comme des conserves, des hameçons à gogo, des clous, ils sont dans le sac, j'ai trouvé une poignée comme ça de clous. Voilà. Allez les amis, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.